Je vais voir si ça marche bien. Salut! Tiens, dis-moi, Mick, si c'est bien le bon nom de jeu qui est affiché sur Twitch. Parce que des fois, même après avoir fait une mise à jour, entre guillemets, ça marche pas. Donc, je vais voir, et puis si c'est pas le cas, bah, je modifie sur PC. C'est chiant! Bah moi, alors je viens de regarder. Normalement c'est bon, moi ça m'affiche le bon jeu. Mais ça m'affiche le bon jeu, ma foi. Bah c'était hier. Ah c'était ça, c'était pas le bon jeu. Non, t'as pas envie. Ouais, ok. Hop. Donc, de toute manière, je laisse la page Twitch. Enclenché sur mon ordi du four, même si j'ai pas accès. Bon, bah, je crois qu'on va être empoté comme été. En même temps, on est le 31. Donc les gens sont pas trop dispo. C'est pas grave, on est des geeks. Tiens, d'ailleurs, je l'ai commencé à l'avance. Il est de l'heure pile. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors le problème c'est que j'avais commencé une partie il y a fort fort longtemps. Mais. Ah oui, c'est une scène bloquée. Connexion au serveur. Ouais, d'accord. Bah franchement moi personnellement j'adore tout ce qui est fait par BioWare, les Mass Effect sont cool. Et Dragon Age en fait c'est l'univers médiéval fantastique. Et maintenant il est pas bien cher, tu le trouves à 20 €. Hein. Occasion, PS Store aussi je crois 20 €, ils avaient fait une promo là en janvier. En occasion je l'ai vu à 20 € moi. Micromania, je crois qu'en neuf tu l'as pour 20 € par exemple. Et en fait tu incarnes un héros, tu choisis ton héros, tu fais un petit peu le physique de ton héros, tu choisis sa classe et par la suite tu auras des choix moraux à faire dans l'histoire. Donc je pense que je vais recommencer une partie et c'est super sympa. Non, il n'y a pas de coop. Malheureusement, c'est vrai que ça aurait été trop cool qu'ils fassent une coop, mais non, dommage. C'est dommage pourtant parce que. Alors, tu vois, là, t'as les différentes classes, enfin les races, c'est pas les classes. C'est les races que tu as là. Alors, moi, je sais pas ce que c'est que ça. Knari sont une race de géants à cornes qui se soumet à une doctrine religieuse particulièrement stricte. Le Quin, je sais pas si on dit ça. Ceux qui ont abandonné ces principes sont appelés Tazvaof et travaillent souvent comme mercenaires. Les personnages Kunari, oh, je sais pas comment on dit ça, reçoivent un bonus de 10% de résistance aux dégâts physiques. T'as la classe naine. Enfin, la race naine, du tout. Plus petit, plus rapide. Plus trapu. Plus rapide que les humains. La plupart des nains naissent toute leur vie sous terre. Ceux qui vivent en exil à la surface sont souvent des marchands ou des trafiquants. Les nains n'avaient aucun lien avec l'immatériel. Ils ne peuvent pas être mages, mais reçoivent un bonus de défense magique de 25%. Donc en fait, en fonction de la classe que tu choisis, tu as des bonus propres à la race. Peuple historiquement opprimé, les elfes sont identifiables à leur corps souple et à leurs oreilles pointues. Si la plupart survivent dans les banlieues les plus pauvres des cités humaines, d'autres vivent en nomades au sein de la tribu des Dalassiens. Ou Dalatiens, je sais pas comment. Les elfes reçoivent un bonus de défense à distance de 25%. Donc ça, c'est plus une classe
La distance. La défense magique. Alors, moi, je suis peut-être très chiante, mais j'aime bien faire les humains en général. Et j'ai même pas de. Un point de capacité en début de jeu. Voilà. Je crois que j'avais fait un. Bah, j'avais fait ça, de toute manière. Et là, t'as les classes. Donc, on a voleur à deux mains, on a l'archer, guerrière, arme à deux mains, arme et bouclier. Où on a le mage. Je crois que j'avais un peu trop bourrine dans l'âme. Et je crois que j'allais faire un mage. Je pense qu'on va faire ça. On va se laisser en normal. Le jeu est déjà assez costaud comme ça. Je vais pas mettre en difficile. Et tu as donc en fonction de la race que tu choisis, la classe. Voilà, c'est tout. Et la difficulté. Je ne sais pas. Si la difficulté rentre dedans, je pense pas. Tu as en fait un background qui est qui est développé. Donc moi, mon perso, c'est né dans la noble famille Trévélan. Trévélan, n'importe quoi. Trevelyan. Dostwick. Alors les noms à chaque fois dans les Dragon Age, c'est un peu n'importe quoi. Dans les marches libres, tout vous destine à une vie de privilège. Jusqu'à ce que des pouvoirs magiques se manifestent durant votre enfance et que vous rejoigniez le carcan du cercle des mages d'Ostwick. C'est super dur à dire. Protégé mais étouffé, éduqué mais isolé, c'est là que vous auriez dû passer le reste de vos jours. Si les mages ne s'étaient pas insurgés contre le joug de la chantrie, bon gré mal gré, vous avez combattu les Templiers qui s'en prenaient à tous les mages libres et avaient rejoint la délégation des mages au conclave de la chantrie, dans l'espoir de trouver un accord de paix. Hélas, le sort en a décidé autrement. Alors, t'as carrément un background qui est hyper développé dans le jeu. J'ai pas envie de dire de conneries, mais la chantrie, c'est une assemblée assez importante. Mais. On va pas s'avancer, ça fait un long moment que j'ai pas joué au jeu, donc Oh non. Contexte mondial par défaut. Oui, bah d'accord. Non, je vais pas me mettre en cauchemar. Déjà que le jeu est hyper exigeant. Ce que tu peux essayer aussi, c'est le. Mais je te conseille de prendre Dragon Age Inquisition. Il est super sympa et il a baissé en termes de prix. C'est assez ahurissant. Tu as Dragon Age Origin qui est le premier du nom. J'avais commencé et qu'est-ce que j'ai douillé! Ah, je me faisais défoncer. Le jeu était tellement exigeant que. Ah non. J'espère que j'ai les sous-titres. Sinon, je les activerai après. Ok? Ni excuse. Mais je pense pas. Normalement, j'ai installé le jeu, j'avais fait la modification, donc. Et à ce moment-là, voilà, on peut choisir la tête de notre perso. Alors, déjà, la tête de base est pas terrible. Non, on va essayer de faire un truc. Comment on fait alors? Modifier. Voilà. Bon, on a des trucs préfets, hein. C'est pas aussi. Avancer que un Tesso ou quoi d'ailleurs. Je sais pas quel jeu où on a un. On va la faire toute verte. comment dire, un mode de personnalisation assez poussé. Ah, tu viens de l'acheter encore des dévers. Enfin, il y a un mode. C'est pas un mode coop, il y a un mode multi, mais je sais pas en quoi il consiste. Ça va à 2 à 4 joueurs, je sais pas ce que c'est. Parce qu'il y a un. Y a pas, c'est pas un coop, mais il y a un mode multi. Je sais pas ce que c'est. Ah, il n'y a pas de. Bah, il n'y a pas de. J'ai pas de. Oui, bah ouais, on pourrait tester au pire, ouais. Et j'ai. Il n'y a pas de notice, donc je sais pas en quoi ça consiste. Alors ça doit peut-être être un truc mini. Un peu scénarisé. Oh, je sais pas, on va la mettre comme ça, tiens. Mais moi j'aime bien. Et les BioWare, ils sont extrêmement doués pour faire des scénarios super intéressants. Enfin, moi j'ai adoré les Mass Effect. C'est incroyable.
Alors les cheveux des filles, c'est toujours... Ça, c'est pas une coupe de filles, hein. Les cheveux des filles, c'est toujours une horreur. Non, on dirait une coupe de mec. On dirait un mec. Oh non, c'est trop triste. C'est vrai, il n'y avait pas grand-chose en termes de coupe. J'ai une sale gueule. C'est la forme du visage, en fait, finalement, qui me perturbe. Un plus petit visage. Oh, en termes de coupe, là, je suis pas emballée, hein. Alors là, on dirait... Les têtes des persos... Ouais, par contre, c'est pas ce qui est le plus sympa, hein. On dirait un mec... Je suis bien une fille. Je sais pas. J'ai choisi au moins si je voulais être un gars ou une fille. Je sais plus quel visage j'avais pris du coup. Ça va être celui-là. Tant que nous mettons fin à cette guerre, je me fiche du reste. Ah, c'est une fille. Combien ça coûterait au juste? D'accord, avec deux voix, de toute manière. J'espère juste pouvoir me rendre utile. La taille des oreilles. Non, on va faire des petites oreilles pas trop moches non plus. Position. Parce que là... Coucou! Non, on va le mettre quelque chose comme ça. Taille des lobes d'oreilles, ça on s'en fout un peu. Vous avouerez qu'on s'en bat un peu les steaks. Je pense qu'on va faire ça. Bon, alors on a un petit peu potelé parce que là elle est. Faut pas qu'elle soit obèse non plus, hein. Position des arcades. Ça, je vois rien du tout. Perso, je vois pas la différence. Ah, je suis à fond là. Ah, si, c'est là. Ok, c'est juste. En fait, c'est les sourcils. Tout simplement, le front. Ouais. Un peu trop mastoc en fait, là, maintenant. On va lui. On va lui enlever un peu des joues. Peut-être un peu des pommettes. Pas que ce soit trop mastoc non plus. Au niveau des yeux. Oh non! Qu'est-ce qui leur est arrivé? Oh quelle horreur. Oh non, j'aurais même pas dû y toucher. L'air tellement triste. Position des yeux. Non, je vais rien toucher. Non, je touche à rien. Ah, non, je touche à rien non plus. Alors, des cils, déjà, si on arrivait à voir les cils. Pas un gros nez non plus, hein. Un petit nez. Oh, la taille de l'arête nasale, je pense qu'on s'en bat un petit peu les cacahuètes. Non, pas nez cassé. Taille des narines. T'es plus petit? C'est bizarre. Non.
Ok, bah salut à toi. Je sais pas. Comment tu veux qu'on t'appelle? Je vais pas t'appeler FR. C'est triste sinon. Perpignan. Si tu veux. J'aimerais bien qu'elle sourie un peu. Parce que. Oh, franchement, là, elle est pas. J'ai pas envie de toucher à la bouche, j'ai peur que ça soit catastrophique. Tête, oreille, maquillage. Attends, on est une fille ou on n'est pas une fille? C'est quoi déjà? Je me souviens pas. Je vois pas la différence. Intensité. Oh, alors là. Ah, c'est censé être rouge, hein. On dirait pas. Ah oui, mais attends. Mais t'as pas le même pseudo? Mais couleur des cernes. Je suis désolée, hein, mais les pseudos de tout le monde. Mais tu veux qu'on t'appelle comment? Qu'on t'appelle 66. Mais qui... Ah bah attends, je suis une fille. On prend son temps. En fait, c'est juste au niveau des commissures des yeux. Couleur des cernes. Ça se voit pas tant que ça, hein. Fard à joues. À fond! Non, ça se voit même pas. Tu vois, j'ai mis à fond la... Ah ouais, par contre, non, quand on met un truc plus costaud, ça se voit. Pousse, je me maquille. Ouais, c'est ça. Ah, oh, on peut se mettre du brillant à lèvres, t'as vu. Ah, mais t'as changé de compte? Ou pas? T'es peut-être créé un autre compte? Je vois pas la différence hein, pour le maquillage, perso. Attendez, général, c'est quoi déjà? Ah, couleur des cheveux, bah voilà, c'est ça que je voulais. Comment on va la faire? On va faire rousse. Ah, tu vois, tu me mets un doute, Mick. Je suis pas sûre de accepter les modifications. Oh non! Non! Je l'appelais Aelia! Merde! Ah, bah oui! Merde, j'ai appelé Aelia! Merde, c'est pas ce que je voulais. Ah, je suis allée trop vite. Ah, ça me saoule. Bon, c'est pas grave. Je vais pas tout refaire. Désolée, hein, elle va s'appeler Aelia pour. Pour la. Mais on l'appellera Seaside dans nos cœurs. Seaside, à tout jamais. Aelia! C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu bizarre. Et tu sens en fait que la saga Mass Effect et Dragon Age, ça se complète et ça se répond. Donc, bah c'est plutôt. Enfin, tu verras par exemple des. Vous verrez, je vous tutoie. Non, vous verrez par exemple des ennemis de Mass Effect qu'on retrouve dans Dragon Age et inversement en fait finalement. Je sais pas laquelle des deux sagas est arrivée avant l'autre. C'est une bonne question. Vu que là, on a une cinématique, je pense. Je vais avoir le temps d'aller regarder. Je vais aller regarder les dates de sortie. Ah non, quoique, non, 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 ça va être une discussion. Je vais pas pouvoir le faire. Mais on peut faire le bâtard de base dans le jeu. C'est ça qui est cool. On va essayer de lui répondre au tac au tac. Mais bon, quoique, on va éviter parce que des fois, c'est pour se prendre une rouste.
Mass Effect, tu connais pas? D'ailleurs, il y en a un qui va, un nouveau qui va bientôt sortir, Andromeda. Enfin, bientôt. On a le temps. Voilà. Bon, quelques années. Je pense pas que j'aurai le temps de chercher Dragon Age. Ouais. Alette. Oh! Avait détruit. Tous ceux qui étaient présents sont morts. Tout le monde, sauf vous. C'est affreux! Comment ça, tout le monde est mort? Expliquez donc ça. Alors ça, en fait... Je ne peux pas. Comment ça, c'est une nouvelle implantation. J'ai une lampe torche dans la main. Voilà. On a besoin d'elle, Cassandra. Je vais regarder, du coup. Enfin, je vais essayer. Ah bah là, on a un instant de... Alors, je vais regarder vite fait pour la date. Non! Oh, en espérant qu'il va pas me... Dragon Age Origin. Bah alors... J'essayais de chercher ça sur jeuxvideo.com, mais non, bon, c'est bizarre. Age Origin. Alors, il est sorti quand? Il est sorti en 2009, et Mass Effect 1. Tu as raison, Mass Effect est sorti avant. Toi, totalement raison. Ok. Hop. Allez. Une petite black story. Bah vas-y, tiens. Ça fera participer les personnes dans le chat. Ok, Dak. Dak, ok, bah, c'est Mass Effect qui est arrivé en premier. Et donc on a dit que c'était 2007, genre 2 ans plus tard en fait, il y a eu Dragon Age Origin. Alors certains dialogues vous donnent la possibilité de réagir émotionnellement à des situations. Quand ces occasions se présentent, des icônes spéciales mettront en valeur l'émotion liée à la réponse. Alors je pense que là c'est... je les défie. Je fais preuve d'autorité sûrement quand je dis « et maintenant ». Je suis perdue, j'ai l'air d'être totalement perdue, voilà. Tous ces gens, et là on part dans les motifs, et laissez-moi partir, là par contre je suis plutôt dans un esprit offensif, voilà. On voit un coup de poing, donc on va faire preuve d'autorité parce que merde. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé? Comment salut, salut, salut à toi, Zulter. Quelque chose me courait après, et puis... Une femme. Une femme? Elle m'a tendu la main, mais... Ah. Allez au campement avancé, Liliana. Je l'emmène à la faille. Eh, hey, mais je suis pas maçon, moi, hein. Je répare pas les trous, hein. Ce sera plus simple de vous le montrer. J'ai dit que j'étais pas maçon. Vous gorez de personne. Une lueur dans l'obscurité, un homme meurt après avoir craqué une allumette et n'a même pas besoin d'être enterré. Pourquoi? Il a craqué... Alors, est-ce qu'il était dans un lieu qui faisait que... je sais pas, il y avait de l'essence, quelque chose d'inflammable qui fait qu'il a totalement... il a totalement brûlé, enfin... Ça m'a pas brûlé à ce point-là, c'est que tu pars en petites particules. Par l'explosion du conclave. Alors c'est ça la faille en fait, hein. C'est pas un trou dans le mur, c'est... Si on ne fait une explosion rien, magique, je crois. La brèche pourrait s'élargir jusqu'à engloutir notre monde.
N'hésitez pas à participer à la Black Story de Lasius, de Mick, alias Mick. Dans les commentaires, en fait, le but de la Black Story, c'est que il raconte une histoire et vous devez deviner comment la personne est arrivée dans cette situation. Enfin, c'est par rapport à la question, surtout à la fin de l'histoire. Non, rien d'inflammable. Ah, zut. Alors, c'est peut-être la clé du problème, mais le temps presse. Ah, je peux mener... Bah, attendez, on va peut-être mener l'enquête d'abord, parce que... Vous dites que c'est peut-être la clé, mais je ne vois pas à quoi elle peut nous servir. À refermer la brèche. On ne devrait pas tarder à découvrir si c'est réellement possible. Mais c'est notre seule chance. Il a fait ça chez lui ? Le gars, Mick ? Je sais pas. Dans un lieu un peu exceptionnel, entre guillemets. Hein. Vous croyez toujours que je me serais infligé ça ? Pas intentionnellement. De toute évidence, quelque chose a mal tourné. Et si je ne suis pas responsable ? Il y a forcément un responsable. Et vous êtes notre seul suspect. Bon, en fait, que je sois responsable ou pas, c'est pas le problème. Je vais me faire décapiter. Ouais. Bah, je vais peut-être lui dire... Si je vous aide, je survis ou pas ? Alors, il était pas chez lui. Donc, si je fais ce que vous voulez, je survivrai ? Il est impossible de le savoir. Il était dans un lieu public ou pas ? Ils ont besoin d'un coupable, et c'est vous. Super. Les habitants de Dars pleurent sa sainteté, la divine Justinia, dirigeante de la chanterie. C'était son conclave. C'était l'occasion de rétablir la paix entre les mages et les Templiers. On va partir dans une nouvelle guerre, quoi. Elle avait rassemblé leurs chefs et les voilà morts. Mais qui ? Ça peut arranger. Ils déchirent comme le ciel au-dessus de nous. Mais il faut penser aux autres, tout comme elle. Tant que la brèche existe. Non. Est-ce qu'il a vu une envie de se défenestrer ? Je ne peux rien promettre de plus. Venez, ce n'est pas loin. Où est-ce que vous m'emmenez ? Dans la brèche, dans le trou ! Le trou dans le ciel ! Votre marque doit d'abord être testée sur quelque chose de plus petit que la brèche. Une fissure ? Quelque chose de plus petit. J'arrive à me montrer un trou dans le mur et faire réparer-moi ça, s'il vous plaît. Alors, atteignez la faille en compagnie de Cassandra. Donc, Cassandra, c'est le personnage qui est juste là. Et utiliser... Ok. Non. D'accord. C'était un accident. Alors, on n'a pas accès aux archives personnelles pour l'instant. On a le codex. Alors, codex, qui est très important, sachant que ça détient énormément d'informations sur l'univers de Dragon Age. On va peut-être passer un petit temps là-dessus avant de se lancer, parce que ne serait-ce que pour l'univers, c'est assez important, il est assez riche. Donc il faut passer un petit peu de temps pour comprendre tout ça. Alors, Cassandra Pendergast. Pentagast. Oh punaise, c'est super. Sa mort, oui. Ah d'accord, sa mort est un accident. Alors, Seigneur chercheur Lucius, je suis parfaitement consciente des intentions cachées derrière la déclaration de votre prédécesseur. Le Seigneur chercheur Lambert a arraché les Templiers au contrôle de la chanterie et les a poussés à attaquer les mages pour des raisons que vous trouvez toutes deux justifiées. Je me demande en revanche à quel moment les chercheurs de la vérité ont cessé de combattre les injustices et ont commencé à semer le chaos. Croyez-vous vraiment que Tedas puisse s'en remettre, même si vous sortez victorieux. Je vous le demande, je resterai à la droite de la divine Justinia, que vous m'accusiez de très dangereux sont trop importants pour nous écarter du chemin tracé par les fondateurs de la chanterie. Extrait d'une lettre de la chercheuse Cassandra Pentagast, punaise, c'est dur à dire, au seigneur chercheur Lucius Corin. D'accord. Donc apparemment... J'ai une autre entrée. La divine Justinia V, anciennement connue sous le nom de Révérente Mère Dorothea Dorlaïs,
La divine Justinia V accéda au pouvoir après la mort de la divine Béatrix III. Mais c'est quoi ce délire au niveau des noms? Bon là, c'est une date, alors je sais pas trop comment on la lit. C'est pas une ère qu'on connaît en soi, ça a été inventé. Nous connaissons bien peu de la vie de Dorothea, punaise, avant qu'elle ne rejoigne la Chantrie. Le Chantrie? C'est bizarre. Ils se sont peut-être gourés. En tant qu'initiée, ce qui est certain, c'est qu'en recrutant une ancienne barde des sœurs Converse, Liliana, comme proche conseillère, elle n'avait pas peur de bousculer les traditions, un dévouement obstiné pour ses projets personnels et des rumeurs de soutien à la rébellion des mages lui valurent l'aversion des puissants prêtres qui contrôlaient l'accès à la divine. La divine Justinia convoqua un sommet dans le but de négocier une trêve entre la rébellion des mages et des Templiers dissidents de la Chantrie. Le conclave divin fut organisé au Saint-Temple Cinéraire, le lieu le plus sacré de tout Tédas. Mais avant que la moindre résolution ne puisse être adoptée, un cataclysme vient s'abattre sur le conclave, une explosion qui consuma le temple, déchira le ciel et anéantit tout espoir de paix à Tédas. Au lendemain de la mort de la divine Justinia V, la Chantrie se retrouve sans chef et son destin est de plus en plus incertain. Si l'ordre n'est pas bientôt rétabli à Tédas, qui se souviendra peut-être de Justinia V comme de la dernière divine de la Chantrie? Le raptor dissident! Oui, c'est lui! Et il en reste une ici. Les Trévélians sont une famille noble d'Otswick, une cité-état située sur le la côte sud des Marches Libres, c'est une vieille famille distinguée, réputée parmi ses pairs, bénéficiant de liens étroits avec la Chantrie. Les puiniers de la famille, n'ayant presque aucune chance de devenir héritiers, rejoignent souvent la Chantrie pour devenir templiers ou prêtresses. Cependant, en tant que mage, Dame Aelia Trévélian, donc c'est nous, était censée passer sa vie dans le cercle des mages d'Otswick. Le cercle étant modéré, il ne prit pas parti en faveur des Templiers ni des mages et s'accrocha à sa neutralité pendant la rébellion. Aelia fut choisie pour le représenter au conclave, dans l'espoir que son statut de noble protégerait ses confrères mages pendant les négociations. Trévélian fut la seule survivante à l'explosion qui ébranla la Sainte-Temple, le Saint-Temple, le Saint-Temple. N'importe quoi, je parle de divine partout, moi. Cinéraire, certains qui prétendaient avoir vu la prophétesse Andrasté en personne conduire Dame Aelia hors de l'immatériel commencèrent à raconter que la mystérieuse marque sur sa main était une preuve de la faveur divine. Donc finalement, on aurait peut-être reçu la faveur divine. Matériaux de fabrication, il n'y a rien pour l'instant. Des créatures, on n'en a pas rencontré, donc ça risque d'être compliqué. Au niveau des groupes. Le cercle des mages a été créé il y a des siècles pour nous protéger et pour protéger les personnes sans magie de ce que nous pourrions faire. Tout homme doté de bon sens admettrait qu'il s'agit là de nobles buts. Je ne peux me résoudre à croire que la Chantrie nous a sciemment infligé l'injustice et l'oppression dont nous avons souffert entre-temps. L'isolement des mages dans les lieux gardés par des Templiers était la meilleure option et peut-être même la seule. Nous avons récemment dû accepter la triste réalité, ce système est en échec. Le cercle des mages de la place forte de Kinloch à Verelden était l'un des plus libéraux. Et même là, nous avons observé la sédition et la dissension qui ont entraîné une tentative de révolte qui a failli détruire toute la tour. La sévérité fonctionnera peut-être là où le laxisme a échoué. En contre-exemple, je vous présenterai la potence de Kirwal. L'étau que serrait le chevalier capitaine Meredith sur le cercle dont elle avait la charge s'est retourné contre elle et nous a conduit à la situation présente. Si les cercles, et quelle que soit la manière dont ils sont gérés, ne fonctionnent pas comme prévu, et peut-être qu'ils en sont incapables, que va-t-il se passer ensuite? Il n'y a pas de réponse évidente. Les événements de ces dernières années m'obligent à reconsidérer mes opinions sur la liberté. En tant qu'équitable, nous avons toujours prôner la retenue et la coopération avec la Chantrie. Mais cette approche pourrait se révéler caduque. Je dois envisager que nos frères et nos sœurs libertaires avaient raison depuis le début. Regardez les conflits et le chaos qui consument notre monde. Il se peut qu'un combat pour l'indépendance et pour un meilleur système n'améliore pas notre situation. Mais ce qui est sûr, c'est que cela ne peut pas l'empirer. Lettre de l'enchanteur de Ranvorman, Queen de
Combreland à un collègue daté de tatata. Il y a une date en dessous. Tu streams moins qu'un vent comme le soleil. Ouais, bah ouais. Bah là, j'ai un peu de temps devant moi. Et puis, bon, bah, je profite, j'ai rien à faire. Donc, Et en plus, ça va m'obliger à faire ce jeu. Parce qu'en soi, j'ai la motivation à le faire. Hein, mais c'est juste que j'arrive jamais à trouver le temps. Au moins, comme ça, je m'oblige à streamer. Et à jouer au jeu, surtout. M'obliger, non, parce que j'avais envie de streamer. Mais c'était surtout commencer le jeu et me mettre dedans, quoi. Nous avons traversé une année de chaos. Certes, les mages ont voté la dissolution du cercle. Mais il faut rappeler que cette décision est intervenue suite au renforcement des restrictions à leur endroit. Conséquence des événements malheureux de Kirwall. Avait-il le choix? C'est vrai, l'ordre des Templiers a abandonné ses devoirs pour tenter de remettre les mages dans le droit chemin. Mais peut-on leur en vouloir? Depuis un siècle, leur seul et unique rôle a été la surveillance des mages. Ne l'oublions pas, ils prédisaient une guerre éclair. Un seul affrontement décisif qui suffirait à briser la détermination des dissidents et les renvoyer sagement à leur confinement. Ils se trompaient, ce conflit pourrait durer une éternité sans voir aucun des deux camps prendre l'avantage sur l'autre. Tout le monde en est conscient et c'est pourquoi ils ont accepté de se réunir en conclave. C'est notre plus grande chance, l'heure est venue, de parler ouvertement et de trouver un compromis, car nous n'avons pas d'autres alternatives. Je le crois de tout mon cœur, j'ai ma part de responsabilité dans cette crise. Peut-être suis-je allé trop loin dans ma volonté de réforme, ou pas assez, le Créateur a jugé bon de me donner une seconde chance et j'entends bien la saisir. Le Saint-Temple cinéraire sera le lieu saint où nous écrirons. Alors en fait, je vous explique pourquoi j'ai du mal à lire, c'est que je suis relativement loin et l'écriture est super petite. Du coup, j'ai vachement de mal à voir de là où je suis. Voilà. L'histoire ensemble et avec un peu de chance, ce sera une page que nos enfants liront avec fierté. D'accord. Donc, entre autres, les mages étaient confinés. Il y avait peut-être une... Donc, ils étaient gardés par les Templiers. C'est quoi ton top des jeux de 2016? Ouf, question. Surtout, t'es très convivial et c'est cool pour nous. Bah, tant mieux, j'essaye du moins de rendre ça intéressant. C'est pas facile, mais j'essaye. Alors, bah, je vais répondre à la question de Mick, du coup. Alors, mon top des jeux de 2016. Je suis en train de regarder parce que j'ai mes jeux en face de moi. Faudrait surtout que je vois, finalement. Je vais aller regarder une liste des jeux qui sont sortis en 2016 et je vous dirai. Je vais vous dire ça. Alors, jeu sorti en 2016. Parce que là, en fait, c'est très difficile de vous dire. En tout cas, ce ne sera pas Watch Dogs 2. Voilà, ça c'est fait. j'avais réussi à trouver un wiki. J'ai pas testé Overwatch, perso. Bon, pendant que je cherche, n'hésitez pas à donner votre top à vous hein, dans les commentaires. Moi, ah si, c'est bon, j'ai trouvé la page wiki. Alors... Je regarde, hein. Est-ce que j'en ai acheté au moins un qui date de 2016? C'est ça le truc. Est-ce que j'en ai terminé? Je suis en train de regarder. Vous avez une liste des jeux sortis en 2016. Il y a un wiki qui a été fait, un Wikipédia. N'hésitez pas à aller regarder. Ah oui, ouais, ok, bon, en fait ça va être un petit peu, la blague, Mafia 3 je crois que ça fait, alors il y avait BB300 de 2016,
2016 et il l'avait mis en premier, Mafia 3, et je suis d'accord avec lui. C'est une grosse merde ce jeu. Ne l'achetez pas, s'il vous plaît. Gardez votre argent. Bah, en premier, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça va être un peu faussé. Sachant que je n'ai pas terminé beaucoup de jeux. En tout cas, Uncharted 4 sera en tant que premier. The Division, je ne sais pas trop où le placer. Il sera peut-être cinquième dans mon top. C'est-à-dire dernier. Après The Last Guardian, il y a Pixel qui l'a récupéré en occasion il y a pas longtemps. J'ai pas du tout joué. Je suis en train de regarder No Man's Sky, j'ai pas joué du tout, mais ça m'intéresse pas. Mirror's Edge Catalyst, ça m'intéresse pas non plus. Enfin, apparemment, il est pas si bon que ça. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est Final Fantasy XV. Que j'ai commencé. Pour l'instant, c'est sympa. Je suis encore qu'au début, donc c'est très difficile de me positionner dessus. Dishonored 2, je n'y ai pas joué. Pixel, là, j'y jouerai sûrement. Deus Ex Mankind Divided, ça me tente pas plus que ça. J'ai Battlefield 1 que j'ai commencé mais que j'ai pas continué. Donc c'est vrai que pour l'instant, en fait, je peux pas donner de jeu en deuxième position. Parce que j'ai pas terminé la plupart des jeux, finalement. Je suis en train de me dire. J'ai commencé, mais je les ai pas continués. Pour l'instant, bah, en premier, ça va être forcément Uncharted 4. Parce que, bah, voilà, graphiquement parlant, il est au top. Que demande le peuple? J'ai vu qu'il y avait Black Desert Online, je peux pas trop le noter parce que c'est un MMO. Alors, bonjour, comment vas-tu? Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bah, à toi aussi, Pradou, salut, salut. The Witcher, il est pas sorti en 2016, hein. Il est pas sorti en 2016. Je ne sais pas. Bonne question, je ne sais pas d'ailleurs, parce que je le vois pas dans la liste. C'est bizarre. Moi, j'ai pas joué à Titanfall, moi. Il est sorti quand? Ah, la Game of the Year. Ah ouais, mais tu triches, là. Mais c'est vrai que... Bah, moi, The Witcher, je l'ai mis en premier en 2015. Ah, je le mets en premier. Ah, les sites, c'est pas pareil. Ah, c'est chiant, ça. Bon, Uncharted 4, en tout cas, en premier. Watch Dogs, je le mettrai pas dans mon top. Parce que... il m'a pas conquis. C'était du Ubisoft classique. Et... Sans plus. Voilà. De toute manière, je vais pas m'attarder dessus. Parce que je... j'ai fait une... Un test il sortira quand... Il sortira... Voilà. Donc, je vais pas m'avancer plus que ça. Mais voilà, c'est du classique. Donc, ça m'a pas soufflé. Alors, on en était à la brèche. Que représenterait une ouverture dans le voile qui sépare notre monde du domaine des rêves et des démons? Pour le commun des mortels, le simple fait de penser à cette séparation des plus fragiles est une chose terrifiante. Le voile n'est pas une barrière physique, ce n'est pas une structure établie à un endroit donné, il est partout, il est dans les maisons, dans la rue, dans les champs cultivés, dans les montagnes les plus isolées. À tout moment, il pourrait tomber en lambeaux, laissant les démons et toutes sortes d'horreurs inonder notre monde comme de l'eau à travers un barrage qui vient de céder. On dit que les petites failles peuvent être refermées. Mais qu'en est-il des plus grosses? Et si un événement magique catastrophique crée une faille si grosse et si terrible qu'elle en altérait l'intégrité de l'ensemble du voile? Une telle brèche menacerait notre monde tout entier et les craintes d'intrusion. XCOM 2, ça a été mon coup de cœur. J'avais joué à je sais plus lequel d'ailleurs. C'est pas ma cam. Voilà, je dirais ça comme ça. PS4. Et il est sorti XCOM 2 ou c'était un remastered?
Une telle brèche menacerait notre monde tout entier et les craintes d'intrusion démoniaque occasionnelles ne seraient plus que deux jolies anecdotes à côté des monstres que nous devrions affronter. S'il y a une raison pour laquelle nous devons avoir peur de la magie, c'est surtout celle-là. En fait, la brèche, donc la chose qu'on voit au loin, là, dans le paysage, serait un portail. C'est un peu comme Oblivion, finalement. Serait un portail, en fait, qui amènerait des monstres dans le monde. En fait, c'est une. Ouais, c'est plutôt un. un événement pas très réjouissant. Donc, c'est sûr que si des créatures démoniaques envahissaient le monde, ouais. Je pense que le monde partirait à sa perte. J'ai pas joué à Tomb Raider. Pixel l'a fini, moi j'ai pas commencé, je l'ai pas, voilà, je l'ai même pas fait. Douée que je suis, je l'ai même pas fait, pas encore. Donc bon. Donc je, bah, apparemment il est cool. Certains disent que c'est mieux que le Tomb Raider. Donc on va avancer. Ça va pour l'instant au niveau du live, la qualité? Normalement ça devrait aller. Je dis bien normalement hein, parce que là il n'y a rien qui tourne à part la console avec le live. Où est la carte des quêtes? Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas regardé ma quête. C'est pas grave, je suis tombée, c'est mes pioux qui font n'importe quoi. Les quêtes? Attends. Journal, bah oui, c'est marqué. Alors, Cassandra veut évaluer les effets de la marque laissée par l'explosion. Une faille toute proche devrait faire l'affaire. Ok. Oh, il fuit le combat là. T'es déçu? C'est pas du 4 tiers. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Hein. C'est vrai que la 4 tiers, y a rien qui peut remplacer la 4 tiers hein, finalement. Il est quand même beau le jeu. Ouh là là, ouh là là! En fait, j'ai une télécommande dans la main. Si j'ai envie de créer l'apocalypse dans le monde, je peux. Juste avec ma main. Genre, maintenant, on est les meilleurs amis du monde. Plus la brèche s'agrandit, plus il y a de failles qui apparaissent. Ça me fait penser un peu à Tearaway avec l'histoire de la brèche dans le ciel. C'était un peu la même chose d'ailleurs dans Tearaway. Je suis en train de m'en rendre compte. Il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. Tout le reste de la vallée a été dévasté. Y compris le Saint-Temple. Ah, ça inclut les jeux compatibles caca. D'accord. Ok. Oh, punaise! Il est beau quand même le jeu. Il est joli. Ah ouais, là on va apprendre à se battre un peu. Quelle chance j'ai d'avoir un bâton magique juste à côté de moi. Ah, ils sont pas beaux, hein. Ah oui. Alors normalement, là on a un système de combat. J'appuie sur R2 pour attaquer. Aïe. Au secours! Autant que... Elle attaque l'autre. Et il y a... alors, il y a un truc... Ah ouais, d'accord, ok. J'ai des petits sorts sympas. Donc en fait, j'ai une attaque simple en appuyant sur R2. Ok. Et j'ai une attaque un peu plus compliquée qui... nécessite une... Bah, j'en ai besoin, banane. Un démon m'a attaqué. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Vous n'avez pas besoin de combattre. J'attends que Crash Bandicoot. Oui, c'est vrai qu'ils l'ont annoncé. C'est vrai, c'est vrai. Mais il vaut mieux que vous en ayez un. Je ne peux pas vous protéger. J'étais un peu plus bourrine. La dernière fois, j'avais dit j'en ai besoin. Vous courez assez de risques comme ça. Mais elle est vachement gentille dans cette partie-là. Elle m'a envoyé chier dans l'autre. Alors là, oui, on a accès au menu. Donc là, c'est pour se soigner. Ok.
que bon, pour l'instant, je pense pas qu'on en ait besoin. Prenez ces potions. Le créateur sait ce qui nous attend. Ouais, Red Dead, ouais. Oh. Ouais, et Last of Us, ouais. Carrément. Je suis d'accord avec toi. Red Dead, mais oh là... Ça me donne envie d'y rejouer. J'y ai pas rejoué depuis tellement longtemps que j'ai envie de le refaire. Ah bah tiens, il y a un truc par terre. Je vais prendre, je sais pas... Ça va sûrement me servir plus tard, mais... Et au pire, je pourrais le refaire en live un jour. Mais il est long, hein, punaise. Ah, fin d'année, ouais. Pour attendre les jeux... Ouais, il y a le temps, il y a le temps. Je fouille les cadavres. C'est vachement petit quand même les écritures. Hein. C'est vraiment pas pratique. Hein. L'inventaire, ok. Red Dead Revolver, je l'ai même pas, j'ai même pas joué à celui-là. Attendez, j'ai un truc. Hein. Ah, je peux me rajouter un casque. Oh la classe. Oh, mais j'ai l'air d'une guignole avec ça. Ouais. Ouais, non, mais il est trop chouette. Red Dead, il est trop chouette. J'ai envie d'y rejouer. Oh non, je vais pas me mettre ça sur la tête. Attends, plutôt mourir. D'accord, matériaux de fabrication. Bon. Non, je vais pas me mettre ça sur la tête. Hein. Non, non, vous... allez crever. La honte intersidérale. C'est l'apocalypse, je vais pas me mettre une coque de noix sur la tête. Hein. Alors, tu voudrais bien acheter le jeu? Mais quoi donc? Les capacités consomment de la mana ou de l'endurance pour produire de puissants effets de combat. La plupart des capacités nécessitent un temps de recharge avant de pouvoir être réutilisées. Bah, c'est ce que j'ai utilisé en fait au niveau de la touche carrée. Salut à toi, Zanaka. Là-bas, attention! Où ça? Ah oui, là-bas. Ouf, électrocution. Et c'est quoi le triangle? Ok. Et il y a moyen de... en fait, t'aimerais avoir un avis sur Dragon Age, tout simplement. Zanaka, est-ce que c'est bien ça? En fait, j'ai pas l'impression qu'on puisse dévier les... faire des roulades, éviter les attaques en soi. Enfin, après, je suis peut-être très mauvaise, mais... Longtemps. On va être accompagné d'un nain. Alors, pour le... Je fais des... Et je tourne sur moi-même. J'adore être stylé en combattant. Ça va, c'est plutôt facile là, au niveau de, du match. J'avais peur que ça soit un peu compliqué. Okay, j'ai gagné de l'XP en faisant rien. J'aime bien fouiller les gens en général. Oh, des pièces d'or! Des pièces d'or! Récoltez herbes et métaux dans la nature et utilisez-les pour fabriquer des améliorations d'équipements et des potions. Explorez le monde et essayez de trouver un maximum de ressources différentes. Ok. Bon, ça va au niveau du jeu, c'est intéressant quand même. Bon, on n'a pas trop... On n'est pas allé bien loin d'ailleurs, hein. Ça fait déjà une heure, mais finalement on n'a pas fait grand-chose. Dragon Age 2014, très beau, après plus dur et plus... Ouais. Ouais, bah après, ouais, c'est sûr que c'est un jeu qui se fait pas en une heure, quoi. Une heure de jeu, je pense pas. Non, ouais, bah je pense bien que ça, c'est un jeu qui est assez long. Mais d'un côté, tant mieux. Et ils arrivent surtout à faire des jeux hyper intéressants, ouais, à chaque fois, au niveau du scénar. Ah ouais, d'accord, bah oui. Éclair de feu.
D'accord. Ouais, non mais ouais, je suis d'accord avec toi, le jeu devient de plus en plus difficile, hein, parce qu'il y avait... Bah, y a un combat qu'on va se faire, donc vous allez voir, je vais peut-être crever, hein, je vais peut-être facilement crever. On est contre un boss et il est assez, assez costaud en début de jeu. Alors pourquoi il me le lock pas, voilà. Alors niveau vie, où est-ce que j'en suis? Ok, il y en a un, il est mort. Il faudrait que je fasse gaffe à ma vie aussi, que je pose pas la folle dingue. Il est mort. Ça devient rare maintenant les vraies histoires. Ouais, c'est vrai que maintenant ils font des jeux très lisses. Pas de scénario du tout. Moi, je trouve ça triste, perso. Qu'est-ce qu'on a acheté, c'est-à-dire, hein, Zanaka? Des jeux est-ce que le jeu, on l'a acheté sur le PSN? C'est ça que tu veux dire par là? Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bah, par exemple, bon, regardez le scénario de Watch Dogs 2. Pas vraiment, quoi. Voilà. C'est vrai que en termes de scénar, le jeu qui m'a le plus soufflé, The Last of Us, ouais. On s'approche de la faille. On entend les combats. Par contre, j'ai presque plus de vie là. C'est pas terrible du tout, finalement. Parce que la vie, elle remonte pas toute seule. J'essaye de fouiller parce que s'il y a moyen de trouver des potions, genre en mode tranquillou, coucou. Ah oui, de très grands scénarios. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Des meilleurs scénarios. D'accord, ok, c'est scripté. Ah non, c'est bon, j'ai envie d'attaquer. Tu vas voir ton nom, Mick. Aïe. Oula, oula, oula. Le voilà. C'est Mick en fait. Avant que d'autres n'arrivent. Vous imaginez, je m'appelle... Moi je n'ai rien fait. Ce n'est que vous. Je m'appelle Pansement et... En fait je suis un super héros mais pas du tout badass où je répare juste les choses. C'est moi qui l'ai refermé. Comment ? La force qui a ouvert la brèche dans le ciel a aussi placé cette marque sur votre main. Je soupçonnais cette marque d'avoir le pouvoir de refermer les failles apparues à la suite de la brèche. Ma théorie semble s'être avérée. Ce qui veut dire qu'elle pourrait également refermer la brèche. C'est possible. Oh, si tu fais un plan machiavélique comme ça, pourquoi tu prévois le fait que quelqu'un puisse avoir une marque comme ça? Moi qui pensais bouffer du démon jusqu'à la fin de mes jours. Il est torse nu, il est en mode beau gosse là. Aventurier, conteur et à l'occasion, colleur de basque. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi il lui a fait la... Ah, il lui a fait... Vous êtes de la chanterie? Il la drague ou pas, là? Elle est bonne, celle-là. Techniquement, je suis un prisonnier, comme vous. Je vous avais fait venir... Bah la caca, j'ai pas encore essayé, donc je peux rien vous dire, hein, par rapport évidence, à ça. De toute évidence, ce n'est plus nécessaire. Et pourtant, me voilà. Heureusement pour vous, étant donné les événements récents. Désolé, hein, j'ai un peu soif à force de lire les textes. C'est une jolie arbalète que vous avez là. Et écoute, Mika. Ah, n'est-ce pas? Bianca et moi, on en a vécu des choses. Vous avez Bianca, arbalète, Bianca. Bien sûr. Quelle horreur. Elle sera d'excellente compagnie dans la vallée. Hors de question. J'apprécie votre aide, Varric, mais... Vous êtes allée dans la vallée récemment, chercheuse? Vos soldats ne gèrent plus rien. Vous avez besoin de moi. Oh. Si je puis me présenter, je m'appelle Solas. Ravi de vous voir encore en vie.
Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a empêché votre marque de vous tuer pendant votre sommeil. Ah. Bah on va lui poser des questions sur la marque, hein. On va pas l'envoyer chier tout de suite. Hein. Après, peut-être, mais... Contrairement à vous, cela... Et vous voyez qu'en à gauche, en fait, les persos approuvent ou pas vos actions. Mes voyages m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur les matériels. Bien au-delà des connaissances d'un magicien. C'est Bernard et Bianca. Ouais, il s'appelle pas... Comment il s'appelle? Varric. Il s'appelle Bernard, finalement. On va l'appeler Bernard. Quelle que soit notre origine. C'est vieux, Bernard et Bianca. C'était pas deux souris? Deux rats? Non, c'était quoi, déjà? Je sais pas. Et je lui demandais, et quand ce sera terminé, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça sera terminé. J'ose espérer que nos dirigeants sauront se souvenir de ceux qui ont apporté leur aide. Ah bon, ça va, t'es pas un enfoiré. Je préfère vous le dire. Je n'ai jamais vu de telle magie. Votre prisonnière est une mage. Mais j'ai peine à croire qu'une mage puisse être aussi puissante. Je vois. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais, c'est quand les adultes parlent entre eux d'un truc super grave. Et un enfant est juste à côté et... D'accord, j'ose même pas imaginer ce qu'il était en train de faire, mais... Il est beau quand même le jeu, hein. La route est bloquée un peu plus loin. Il faut nous dépêcher. Je vais regarder juste là-bas pour voir si... Ah bah tiens, je peux le fouiller, lui. Bâton de feu d'acolyte. Ah, peut-être... Il est peut-être meilleur que mon bâton actuel. On va regarder ça. Dans l'inventaire. Non, c'était pas là. L'inventaire, c'était là plutôt. Ah bon? Ah non, Bernard et Bianca, moi je parierais sur deux souris ou deux rats. C'était... Ah, c'est pas un Disney, ça? Oh là, je sais même pas, je vais dire une connerie, je suis sûre. Ah, bâton de feu d'acolyte, il est meilleur. Par contre, il est pas classe du tout. C'est quoi cette faux? Ah, c'est vraiment bizarre, hein. Ah, c'est moche. Bon, on n'a pas le choix. Je peux sauvegarder au moins? Magnifique. Bah, je vous laisse chercher, hein, pour Bernard et Bianca. Qui c'est réellement? Est-ce que j'ai eu des entrées dans le codex ou pas? Ah ouais. Ça, j'avais lu, je crois. Ah, ça c'est nouveau. Solas, Cassandra, donc c'est l'elfe qu'on a vu là. J'ai bien compris que notre priorité doit être d'enquêter sur cette brèche étrange dans le ciel et de protéger le peuple des démons qui l'assaillent. Pendant que je poursuis mes recherches, je souhaiterais attirer votre attention sur une personne qui vient d'arriver dans notre campement. Il s'agit d'un elfe apostat nommé Solas. Solas est entré dans le campement de son plein gré et a donné son bâton aux forces de la chanterie sans protester. Il n'est pas dalassien et il dit qu'il n'a jamais fait partie d'un cercle. Il prétend avoir étudié la magie seule de manière pacifique et en particulier la magie liée à l'immatériel. Même si j'imagine votre réticence à accepter l'aide d'un apostat, Solas est venu librement à nous. Des témoins l'ont vu dans un village voisin au moment de l'explosion, donc il n'est probablement pas responsable de ce qui s'est passé au conclave. Cependant, il a décrit les effets de la brèche de manière assez détaillée pour me convaincre qu'il en sait plus sur l'immatériel que n'importe qui d'autre ici. Solas a demandé l'autorisation d'étudier la seule personne ayant vécu et l'une des plus petites failles dans l'espoir de trouver... D'accord. Ayant survécu, pardon. J'ai oublié le début du mot. Dans l'espoir de trouver un moyen de sceller la brèche, il a bien deviné qu'elle s'étend et il pense qu'elle détruira le monde si nous ne parvenons pas à l'arrêter. À moins que vous n'y fassiez objection, je vais lui permettre d'étudier sous surveillance, bien entendu. Léliana. Alors... 1977, c'était un Disney. Oh la vache! Oh la vache, Bernard et Bianca. Eh bé! La Belle et le Clochard, bah ça c'est vu aussi. Hein. Ça, on l'avait lu.
Varric Tetras, de la guilde marchande des nains de Kirwal, est connu en bien ou en mal pour deux choses, ses livres et son association avec le héros Kirwal. Après que les Templiers et les Cercles se séparèrent de la chanterie, la divine Justinia V... Ah ! J'ai fermé le truc. Où j'étais ? C'est bizarre, bon. Une histoire, c'est du pouvoir à l'état pur. Il n'y a pas de secret d'histoire avec un grand H tourne autour des meilleurs contes. Ce qui perdure, les miens peut-être. Ok. Après que les Templiers et les Cercles se séparèrent de la chanterie, la divine Justinia V envoya ses agents à Kirwal, où la guerre était née à la recherche de réponses. Le héros avait disparu depuis longtemps, mais Varric avait écrit un livre sur l'implication de son illustre camarade dans la destruction de la chanterie de Kirwal. Étonnamment, la main gauche et la main droite de la divine n'eurent aucun mal à le retrouver. Après l'avoir capturé et interrogé, elles les conduisirent au conclave afin qu'il livrât à la divine son témoignage en personne, mais le sort en décida autrement. Ah bon, j'ai 30 ans de plus que le film. Eh, j'ai jamais dit que j'étais née au même moment que Bernard et Bianca. Hein. J'ai jamais dit ça. Donc ça, on a lu. Créatures. Apparemment, on a un truc au niveau des créatures. Ah bah oui. Alors, spectres. À l'instar des feux follets, les spectres sont parfois considérés comme les vestiges d'esprits ou de démons ayant été détruits. Ils ne peuvent façonner l'immatériel autour d'eux, ni imiter les formes aperçues dans les pensées des rêveurs comme... En sont capables de nombreux esprits mineurs, ce sont plutôt des charognards de l'immatériel qui évoluent dans l'ombre d'êtres plus puissants et se nourrissent des miettes de pensées et d'émotions. Les ombres y a souvent été avancées que les démons n'avaient d'autres moyens d'affecter le monde physique que de posséder un corps vivant ou mort, mais l'ombre est l'exception qui confirme la règle. Un démon sous sa forme véritable qui s'est adapté afin d'influer sur le monde qui l'entoure. Mon hypothèse est comme suit. Nous savons déjà que bien des démons sont désorientés lorsqu'ils franchissent le voile pour pénétrer dans notre monde. Ils sont incapables de distinguer les vivants des morts. La nature éminemment statique de notre univers est étrangère à une créature dont l'expérience physique ne repose que sur des émotions et des souvenirs. La plupart des démons cherchent immédiatement à s'emparer comme envieux de tout ce qu'ils identifient comme vivant. Mais qu'en est-il de ceux qui ne le font pas, de ceux qui se rencontrent qui ne rencontrent nulle vie ou se révèlent impuissants à posséder un corps, de ceux qui préfèrent la prudence? Cela reste à l'affût, ils rôdent, ils écument. Avec le temps, un tel démon parvient à drainer l'énergie psychique, de ce qu'il rencontre, comme il le faisait dans l'immatériel. Une fois abreuvé, il obtient le pouvoir de se manifester et devient dès lors une ombre. Dédaigneux de la possession, il hante son territoire sous la forme d'une sombre silhouette dévorant l'esprit de quiconque croise son chemin. Peut-être se croit-il toujours dans l'immatériel, des preuves viennent étayer cette théorie. Ok. Et matériaux de fabrication. Je sais pas ce que j'ai ramassé. Elfidée tient son nom du fait qu'elle fut utilisée pour la première fois par des elfes d'Arlatan, dont elle amplifia l'efficacité des remèdes. Lorsque l'Empire vainquit les elfes, les magistères commencèrent à l'utiliser et devint de plus en plus populaire. L'elfidée est une plante rustique à longues feuilles vertes poussant à l'état sauvage en de nombreux endroits. Elle est si commune qu'on a trouvé dans la plupart des jardins et des champs à la manière des mauvaises herbes. Cependant, contrairement à ces dernières, ce petit bijou végétal est des plus appréciés. L'elfidée ne nécessite que très peu de préparation. Il suffit par exemple de très peu de préparation. Pardon, j'ai eu la même phrase. Je suis désolée. Ah, il suffit par exemple de faire couler un peu de sa sève sur une plaie pour que la régénération des tissus s'accélère et que la douleur s'estompe. Mastiquer un bout de racine protège les afflictions mineures dont l'indigestion, les flatulences excessives et les enrouements. C'est intéressant. Il en existe plusieurs variétés, mais les plus utiles aux herboristes sont
la mère, la diaphane et la royale. Oh, je suis malade. C'est pas amélioré, hein. J'ai toujours le rhume là qui traîne. Je suis ralentie. Il y a peut-être quelque chose au fond, hein. Attendez. Ah, fouillez. Oh, des pièces d'or et une figurine. Je sais pas à quoi ça me servir, mais... Démon, droit devant. Attends, alors, attends, attends. Contente de m'avoir avec vous, maintenant. Qui parle? Je crois que c'est une voix divine. On en aurait besoin dans Seven Days. On n'est tellement pas dans la merde dans Seven Days. Pour ainsi dire, on est limite... D'accord, caméra tactique. Ah oui, on peut leur donner des ordres, c'est vrai. Et après, en fait, on choisit un perso et on lui dit d'attaquer un ennemi en particulier. Je sais pas, on va lui dire d'attaquer celui-là. On va prendre... Non ! Comment on fait pour... Ah, ok. Elle va attaquer. Elle est trop loin. Elle va se déplacer. Et lui, il va se déplacer aussi. Et je vais attaquer l'ennemi. Le nain n'a pas compris que je lui demandais de bouger. Ah. Ok, pour l'instant ça va. Fait que 16 degrés, mais t'es sérieux? Moi, il fait moins 4 ici. Moi, j'ai trop froid. Oh, mais ici, il fait super froid. Il fait moins 4. J'ai eu le malheur d'aller dehors ce matin et je sentais plus mes doigts. Mes mains étaient congelées. J'avais beau avoir mis deux paires de chaussettes, deux gants, deux paires de gants. C'était n'importe quoi. Alors désolé. Oula! J'envoie un message de soutien à Pixel qui bosse tard ce soir. Jusqu'à tard ce soir plutôt. Sinon c'est pas français. Non mais ici il fait moins 4, ouais, ça gèle trop. Il a commencé à neiger même. Ok, j'ai eu peur, je me dis mince, d'un coup est-ce que... J'arrive à me bloquer dans le piège, mais non. Donc là, on a un petit intérieur. Ouais, bah, en général, en plus, dans la nuit, tu perds pas mal de degrés aussi. Pray pour Pixel, oui. Le pauvre. Tiens, vous jouez à quel jeu en ce moment? Dites-moi dans les commentaires. Ah, ça va, c'est l'été, hein. Ah, ici vous serez tous en train de mourir en fait. Oh non, ici il fait beaucoup trop froid. Il y a un froid sec en plus, hein. C'est le pire. Xenoverse 2, je connais pas. Rail 2, non plus. C'est pas un truc de. C'est pas un jeu de moto. Vu le nom. Je pense qu'on peut estimer que c'est un jeu de moto. Et Xenoverse, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Je crois que je pouvais rentrer à l'intérieur. J'avais réussi à rentrer dans la maison. D'accord, eux, ils passent sur le feu, tranquillou, sans se poser de questions. J'habite en France.
Oh, je suis trop la crève, sérieux. Ah, il y a une elfidée là qui était planquée. Nickel. Et c'est quoi? C'est de l'arcade? Pardon. C'est... T'as des courses ou c'est un monde... T'as des courses à faire? Je sais pas trop comment ça marche. Je vais boire un petit coup, je suis en train de m'étouffer. Je vais mourir en live. J'ai plus de voix. Oula, c'est quoi ce bruit? C'est vrai qu'il faudrait que je sauvegarde assez régulièrement parce que là j'y vais un peu en mode coco, mais. Voilà. Non, non, non! Je voulais pas changer, je voulais pas prendre l'elfe, moi. Je vais garder mon perso. Comme Gran Turismo. Ah ouais, en fait, c'est des circuits un peu fermés. Et... Ok, d'accord. D'accord, ok. Mince, je crois que j'ai un peu tapé dans le vide, en fait. C'est pas grave. Ah, on m'attaque! Ah, je crois qu'il a été gelé. La Wii U... La Wii U, finalement, en fait, il y a juste... C'est peut-être très con, mais il y a juste un jeu qui m'aurait intéressé sur la Wii U, c'est... Le Super Mario Paper. Je sais pas pourquoi. J'ai pris un sur 3DS, mais je suis comme une tarée en fait. J'adore décoller des autocollants. Je crois, on l'a eu gratos avec Uplay. Et on l'a sur PC. Il a été gratos pendant un temps sur Uplay. Pourtant, j'ai entendu des avis négatifs hein, par rapport à ça. Ça me donne quoi, l'amulette? Ça me dit pas vraiment. Examiner. Quand un coup est sur le point de réduire la santé d'un personnage à zéro, l'amulette vole en éclats. Et soigne le personnage à hauteur du nombre indiqué. Ah ok. Ah mais en fait c'est une amulette... Finalement c'est une amulette qui risque de se détruire. Hein. Elle va être utilisée qu'une seule fois alors. Bon, d'abord mon perso, les autres après. Hein. Ah je peux mettre un... Ah non ça c'est... Ouais ça c'est à revendre en fait. Ok. Sur PC, c'est nul, pourquoi? Apparemment, le jeu était pas top. D'après les retours. Pardon! C'est sorti tout seul. Vous venez donc des marches libres. Oh. C'est votre accent. Je suis de Corkwall. Corkwall, pardon. C'était pas le bon. Où il est? Vous êtes perspicace. Vous avez une oreille affûtée. J'ai tendance à impressionner. Par contre, attendez là deux secondes, il y a un truc qui me chagrine. Où est-ce que je suis? Parce que là, ça me semblait logique que j'aille par là finalement. J'ai pas vu, il devait avoir une entrée, mais... Si bien c'était un cul-de-sac, hein. Ouais, c'était un cul-de-sac, en fait. Heroes of the Storm, c'est pas un jeu de cartes, hein.
Oh, d'ailleurs, j'ai un code que j'ai toujours pas activé pour la bêta de Gwent. Oh, j'ai même pas eu le temps de mettre le nez dedans. C'est pour vous dire à quel point j'ai même pas le temps. Ah, mais c'est peut-être là-bas. Là, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pris un coup d'éclair dans la figure. Ah, League of Legends. Vous êtes innocente. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Ça ne vous tirera pas d'affaire. Vous auriez dû inventer une histoire. C'est ce que vous... Ah, bon, bah d'accord. C'est plus crédible, mais moins susceptible de finir en exécution prématurée. Ok. Bon, par contre, il y en a un autre qui me tape dessus là depuis tout à l'heure. Tu sais, non, mais il n'y a pas de touche en soi pour un. Ok. Il y avait un autre pack dans le sang, je crois. Mais non, bah non. Nous verrons ce qu'il en est au campement avancé. Nous y sommes presque. Ah, League of Legends, j'y joue qu'une fois, j'ai rien capté. Oh, c'est un bitémol alors. Un bitémol, n'importe quoi. Non, comment on appelle ça déjà, hein? Ah! La catégorie de jeu. Comment on appelle ça? Pas hack and slash non plus. Ah! Aidez-moi! Je sais plus. Non, j'y ai joué qu'une fois, mais ça m'a pas... ça m'a pas botté plus que ça. MOBA, merci. Ah la vache. Une autre faille. Nous devons la refermer. Vite. Il ne cesse d'affluer. Si ça a des malades, elle arrive plus à réfléchir. Hé, ils sont tous sur moi, là. C'est bien de me filer un coup de main, les autres persos, là. C'est plus simple que LOL. Oh, en plus, y avait quelqu'un qui m'expliquait comment y jouer. Non, je vais peut-être fermer la faille avant qu'il y en ait d'autres qui se ramènent. Ah, t'appuies là-dessus, tu fais ça. J'ai rien compris. Mais ça n'a jamais été mon amour de jeu, hein. Alors, votre personnage est passé au niveau supérieur. Votre santé et vos statistiques ont augmenté et vous avez gagné un point de capacité à utiliser. Ça, c'est cool. Et sélectionnez les archives personnelles. Hop. Alors, on a un point à dépenser. Ah, c'est pas mal ça, l'esprit. Ah. Le premier me plaît bien quand même, hein. C'est un jeu de 4, ça. Chaque arbre de capacité contient des capacités actives, des améliorations et des capacités passives. Les capacités actives ont des icônes en forme de losange. Vous pouvez les affecter à des raccourcis et les utiliser en combat. Ouais, bon, voilà, les capacités passives, c'est normal, hein. C'est pas des pouvoirs actifs en combat. Ça va surtout être du soutien aux... Capacité active, ok. Ok. Ah, il y a trop de trucs.
Moi, en ce moment, c'est surtout à FF15 auquel je joue. Ce matin, j'ai joué un petit peu à Planet Quester, où je continuais la carrière, où tu dois essayer de relever un parc d'attractions en faisant des améliorations. Mais... Oh, j'ai coulé, en fait, je suis en train de couler le parc d'attractions parce que je... En fait, vous pouvez créer des bâtiments vous-même et faire des décors. Et du coup, bah, j'ai passé genre 1 heure et demie en fait à faire un décor et j'ai pas vu que l'argent baissait urgemment. Donc, je me suis un peu trop lâchée au niveau des décors. Alors, vous créez une barrière protectrice chatoyante qui agit comme un bonus de santé temporaire. Non, c'est pas mal. Votre aura d'apaisement réduit les risques d'être attaqué par l'ennemi en combat. Ah, c'est pas mal ça. On va prendre ça. Ok. Affecté au menu de combat. R1 du coup. Ah mais non, mais il y avait déjà... Attendez. Annuler. On peut pas l'enlever? Ah, il est en 2 fois. Ah, c'est con. Bon, au pire, c'est pas grave. Si j'ai un autre sort, je le mettrai à sa place. Plus tard. Faye a disparu. Ouvrez la porte. Allez, go. Le danger est écarté pour le moment. Beau travail. Au moins, ce truc sur votre main est utile, même si on se demande toujours ce que c'est. Et là, si je me souviens bien, on aura un choix à faire qui va changer sensiblement la mission. Enfin. Chancelier Roderick, voici... Je sais parfaitement qui c'est. En tant que grand chancelier de la chanterie, je vous ordonne de conduire cette criminelle à Val-Royo pour qu'elle y soit exécutée. Bah oui, j'ai refermé ta brèche et c'est comme ça que tu vas me remercier. Un bureaucrate. Espèce de préservatif ambulant, regarde la tête que tu as là. Déjà 1h30 de live, et ouais. Et comme quoi, on n'a pas fait grand chose, hein. On a fait juste une partie du début de jeu, quoi. Nous devons élire une nouvelle divine, et c'est à ses ordres que nous obéirons. On n'est même pas arrivé dans la partie du jeu, finalement, où tu... Où t'es un peu plus libre. Donc c'est après le combat, quoi. Donc, on en a encore pour longtemps, quoi. Donc je pense pas qu'on aura le temps d'arriver à ce moment-là, mais... C'est... Là, toutes ces parties-là, je l'ai déjà faites, hein. C'est juste après le combat du début de jeu que j'ai pas continué. Hé, oh, je suis là. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là. Vous n'avez rien à faire ici. Sonnez la retraite, chercheuse. Nos efforts ici sont sans espoir. On peut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Comment ? Vous ne survivrez pas assez longtemps pour atteindre le temple, même avec tous vos soldats. Il faut qu'on gagne le temple. C'est la route la plus courte. Mais pas la plus sûre. Nos forces peuvent faire diversion pendant qu'on passe par les montagnes. On est toujours sans nouvelles d'une unité tout entière qui a emprunté ce chemin. C'est trop risqué. Écoutez-moi. Abandonnez avant que d'autres n'y laissent leur vie. Qu'est-ce que vous suggérez ? Et c'est là qu'on va devoir choisir en fait le chemin qu'on va emprunter. Donc, bah tiens, vous allez choisir. Donc, soit, alors comme on continue tout droit devant, donc attaque soutenue mais prudente menée sous la protection des soldats, des éclaireurs pourront perdre la vie dans le col. Ou soit passer par les montagnes rapides mais indirectes, les soldats feront diversion ailleurs. Le problème se réglera plus vite, mais il peut y avoir des victimes. Donc en fait, dans les deux cas, il y aura des victimes. C'est juste qu'il y a...
comment dire, un chemin peut-être plus court et un autre où on agit, on va venir de manière un peu prudente. Donc je vous laisse choisir Bourine. Passer par les montagnes alors. C'est-à-dire, il va avoir une tête de victime. J'attends, allez. J'attends d'autres votes. Ou la prudence, telle est la question. N'hésitez pas à me dire hein, la manière dont je dois agir. C'est plus sympa si c'est vous qui choisissez. Ouais, j'ai vu ça. Alors, passer par la montagne, on va avoir un accès rapide, mais il y aura des victimes. Peut-être plus de victimes. Ou soit, on continue droit devant, c'est-à-dire qu'on va agir de manière prudente. On va agir avec des soldats, mais les éclaireurs vont peut-être mourir. Voilà. Au niveau du choix. Des morts par milliers. Pourquoi je vais plus vite que toi? Les éclaireurs, on s'en fout. Peut-être. Après, passer par les montagnes, en fait... apparemment, il y avait un groupe qui était parti là-bas. Et on n'a pas eu de nouvelles de ce groupe de personnes qui avaient essayé de passer là-bas. Bon allez, je vous laisse encore un petit instant pour me donner d'autres avis. Moi, je vais aller me chercher de l'eau là, pour ce temps-là. Ah bah je sens que je vais devoir choisir, finalement. Bon bah moi je serais plus du genre à passer par la montagne et bah tant pis s'il y a des morts. De toute manière dans les deux cas, il va en avoir. Donc ça c'est une certitude. Et qui plus est, je crois que... Qui plus est en plus... je crois qu'il y a un groupe... Oula, il y a une explosion derrière. Il y a un groupe qui est parti dans les montagnes, mais qui n'est jamais revenu. Peut-être que ce sera l'occasion aussi pour voir, je ne sais pas. Bon, allez, go. Passer par les montagnes. Coopérer.
Vous connaissez tous les enjeux. Ah, Cassandra n'a pas approuvé. Rassemblez tous ceux qui restent dans la vallée. Tout le monde. Vous en paierez les conséquences, chercheuse. Ah, du coup, c'était pas ça. Oh, je sais pas. Bon, on verra bien. Je sais plus. Je crois que j'avais testé les deux chemins en question. Haha, on va devoir monter à l'échelle. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je meurs en montant l'échelle. Le tunnel devrait être droit devant. Et l'accès au temple de l'autre côté. De quelle sorte de tunnel s'agit-il? D'une mine? Il fait partie d'un ancien complexe minier. Ces montagnes sont pleines de passages de ce genre. Et vos soldats disparus sont là-dedans? Ainsi que ceux qui les ont enlevés. On découvrira tout ça bien assez tôt. Mais pourquoi elle m'a pas approuvé alors que... Ah ouais, bah il y a déjà des ennemis là. Oui. Ok. D'accord, il s'est rien passé du tout. Aou. Affaiblissement, d'accord. Ah mince, c'était... je voulais le lock, plutôt. Et ça, c'est quoi? C'est pour moi, ça? Ah bah oui, oui, là, en termes de... C'est sûr que... Déjà en termes de scénar, en général ils font des jeux relativement longs quand même, BioWare. D'ailleurs, il y a un MMO qui est tout aussi sympa, SWTOR, Star Wars The Old Republic, qui est très sympa. J'avais commencé, mais enfin voilà, faut avoir du temps devant soi. Il est gratuit pour ceux qui veulent le tester. SWTOR. N'est pas obligé d'être adepte de Star Wars hein, pour comprendre tout le délire tout autour, donc c'est un bon petit MMO, sympa. C'est quoi ça? Ah, c'est du brouillard. Ok. Oh là, j'ai eu peur. Oh, pardon. J'ai pété un plomb. J'ai balancé... Ok, il y a un bouclier. Ah, mais il faudra que je donne à un perso, là. C'est Cassandra qui se bat avec un bouclier, si je me souviens bien. Attendez, on va aller regarder vite fait dans l'inventaire. Arme. Qu'est-ce qu'elle a comme bouclier, elle? Ah, mais attends, je te donne ça. Et elle se bat avec une... Quoi, c'est une arme... C'est une épée, ça? Quel est le dernier film que j'ai vu au ciné? C'était Assassin's Creed. Et vous? Et vous? On n'est pas allé voir Star Wars? Ah, Star Wars ou Rogue One? Punaise, c'est dur. C'est dur de parler quand on a le nez bouché. Au secours, je suis en train de mourir. Les 54 gigas?
Par rapport à quoi? Ah, il y a des ennemis là-bas. On va fouiller avant tout. Ah! C'est la même touche que pour sauter. Tu ne tueras point. Ah ouais, tiens, il est comment d'ailleurs? Il est comment ce film? Énorme. Il avait l'air sympa, ouais. Donc, c'est un soldat en fait qui ne voulait pas tuer qui que ce soit. De quoi, il te reste que ça sur ton disque dur, tu veux dire? Ah, je vais où comme ça? Parce que là, ça amène vers l'extérieur. Je reviens en arrière là. Non? Ouais, je suis revenue en arrière. Mille excuses. Ah, c'est vrai que j'ai ça pour voir s'il n'y a pas des trucs dans le coin. Bah, finalement, c'est pas ce qui leur est arrivé aux personnes qui. Ah bah tiens. Je crois qu'on a trouvé les soldats. Voilà, bon, bah il fallait le dire tout simplement. Les autres pourraient se terrer plus loin. La brèche doit être notre priorité. Tant que nous n'aurons pas refermé, personne ne sera à l'abri. Je laisse la femme à la main de lumière se charger de ça. Oui, bah oui, ça prend de la place, ouais. Ah oui, peut être intéressant le film, ouais. C'est vrai que j'ai vu la bande-annonce au ciné, ouais. Ça a l'air sympa. Il y a failli là-bas, là, juste là-bas. Je vois rien à cause du nain. Le nain reste à côté de moi. Vite, vite, il faut que j'aille refermer la faille avant qu'il y ait d'autres saloperies qui sortent. Voilà. Quoi? Comment ça? Ah! Ok, en fait il y a plusieurs phases. Je la ferme pas tout de suite hein, finalement. Allez, il reste plus grand chose. Et on la ferme complètement. Nickel. Elle est refermée. Vous commencez à prendre le coup de main? Espérons que ça marchera sur la grande. Heureusement que vous êtes arrivée, Dame Cassandra. Je ne crois pas qu'on aurait pu tenir très longtemps. Ah, mais c'est bien, j'ai sauvé des gens. Remerciez notre prisonnière, lieutenant. Elle a insisté pour qu'on prenne ce chemin. La prisonnière? Alors vous... S'il y avait une chance qu'on puisse vous sauver... Approuve légèrement. Alors je vous suis infiniment reconnaissante. Ah, je savais pas. Bon bah comme quoi. La voie est libre vers la vallée derrière nous. Allez-y tant que vous le pouvez. Entendu. Franchement, en avant, vite. Il prendrait moins de risques en restant avec nous qu'en faisant le chemin retour, mais bon.
Avec tous les jeux, moi personnellement, j'ai que 500 gigas d'espace libre. Enfin, 500 gigas de disque dur. Non, j'arrive pas. Clairement, j'y arrive pas du tout. Je suis obligée de désinstaller des jeux pour pouvoir en installer d'autres. C'est un peu chiant à la fin. Ça, ouais, t'es obligé de réfléchir à quel jeu tu peux enlever. C'est un peu chiant. À la longue, c'est un peu énervant. Ah, faut avoir niveau 6. Quel dommage! Oh là là! Ah, ça pourrait aller à qui, ça? Manteau de mercenaire. Je crois que je lui avais enlevé carrément son... Bah non, enfin, c'est pas... Je suis pas gagnante. Quoique, moi si, plus. Je ne vois aucune différence. Mis à part le fait que je gagne un point, c'est tout. Ce qui est très triste. Bah non, de toute manière, je mets pas de casque parce que le seul casque que j'ai, c'est dégueulasse. Et on peut sauvegarder ou pas? Ouais, parce que tout à l'heure, on pouvait pas, apparemment. Oh, je suis lancée sur le jeu. Je sais pas pour vous. Après, dites-le-moi hein, si vous voulez que je change de jeu. Je vais attendre vos réponses. Bon, après, j'ai pas grand-chose d'installer. Hein. Mis à part ça... Bon, c'est normal que vous voyez plus le jeu. Hein. Voilà. Donc ça, vous voyez pas, normal. D'un côté, tant mieux. Alors... Ouais, Seven Days to Die, non, merci. Magica 2, mais bon... Pixel est pas là. Overcooked ne se joue qu'en local. Little Big Planet 3, le multi est un peu... comment va-t-il hein? Tant soit peu catastrophique. Non, mais bon, c'est un peu dommage, quoi. Fat Princess Adventure, bah, c'est pareil, c'est avec Pixel, je peux pas. Sultan Sanctuary, là, je vous avouerai, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Finalement, j'ai pas grand-chose. Everybody's Gone to the Rapture, que j'ai téléchargé, mais que j'ai même pas commencé, finalement. Call of Duty, ouais, bien sûr. Cool Cat. Non, j'ai pas grand-chose. J'ai pas... De toute manière, je sais pas à quelle heure j'arrête le stream. Vous avez peut-être des trucs à faire, hein, finalement. N'hésitez pas à le dire si vous devez bouger. S'il y a un horaire qui... vous arrange pour que ça se termine le live. Y a pas de souci. Si vous devez bouger, n'hésitez pas à me le dire. Si par exemple, je sais pas, à 16h30, vous devez bouger, on termine le stream à 16h30. Hein. Je pense que déjà, ce sera. On aura streamé pas mal aujourd'hui. Parce que là, on est déjà bientôt à 2h. Hé hé! Oh, je demande, hein, on sait jamais. Bon, de toute manière, au pire, on peut faire jusqu'à 16h30. On peut faire jusqu'à 16h30 max, comme ça, tout le monde profite un peu pour... Oula! J'ai perdu mon casque. Non, mais bon. On fait comme ça, au pire. LBP12. Et peut-être que la co... Peut-être que la cause, n'importe quoi. Peut-être que le multi marchera mieux. Ah ah! Dans le PP12! Non, mais bon. Mais il y a des niveaux super sympas en plus. Des niveaux de la communauté qui sont super sympas, mais. Faudrait que je reteste. Attendez, je reviens en arrière là. Ah bah oui, je reviens en arrière. Oh la quiche. Oh, la quiche Lorraine. Je suis sûre que le...
Je suis sûre que le multi, il fonctionnerait pas. Toi, tu peux voir, Mick. Je suis sûre que le multi fonctionne pas. Si déjà il rame et que t'as un message erreur comme quoi le serveur marche pas, laisse tomber. Je vais pas passer ma vie. J'avais vu, ouais, des niveaux Indiana Jones et tout, c'est trop bien. Yes, thanks. Ils n'apparaissent pas accidentellement, si. Bon alors, ça va manger beaucoup ce soir. Perso, j'ai rien de prévu. Il y a des moyens plus faciles de faire exploser des choses. J'ai rien de prévu à manger, ça va être comme un soir normal, vous allez voir. Oh, il marche pour une fois. Attends. Soit en jeu, soit in game. Le Saint-Temple cinéraire. Ce qui en reste. C'est là que nos soldats vous ont trouvé. Quand vous êtes sortis de l'immatériel. Ah, regardez, il y avait une femme, des gens bloqués. Ah, ils sont morts, personne en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils ne bougent pas. Resto mexicain. Ah, bah c'est bien faire un resto. Je sais pas s'il y a beaucoup de restos ouverts pour le nouvel an. Peut-être pas, mais... Bon, en même temps, les pauvres. Oh. Après, ils font leur chiffre d'affaires ce soir-là, hein, c'est sûr. Moi j'ai fait une crêperie, elle était pas bonne du tout. Enfin, c'est pas qu'elle était pas bonne, c'est que c'était pas exceptionnel en fait. C'est le problème des crêperies, c'est que ça passe ou ça casse quoi. Mick le cuisinier burrito. Et ce soir tu vas te refaire un burrito? Oh, non mais attendez, j'ai quoi dans mon frigo? J'ai quoi? J'ai de la raclette. Mais moi ça me tente pas. On a rien à manger avec en plus, c'est ça qui compte. La raclette. Des pâtes à pizza. C'est vrai que cette brèche n'est pas tout près. Ah ouais, ah merde. Vous êtes là. Ah c'est chiant. Le créateur soit loué. Léliana. Ah, chiant pour elle, par contre. Ouais. Elle va passer sa soirée à bosser, quoi. Elle fait le service, quoi, c'est ça? C'est l'occasion ou jamais. Oh, le chinois, j'aime bien, moi. Vous êtes j'aime bien le chinois. Ouais, bah voilà, on fait dans le traditionnel, c'est Moussan, j'aime bien. Non, on n'a rien, on doit avoir de la raclette, des crêpes. Ah, la tristesse du réveillon de nouvel an. Cuisine. Ah, commis de cuisine. Je ne sais même pas comment m'y prendre pour atteindre cette chose. Non, c'est cette faille qui est apparue en premier. C'est elle la clé. Refermez-la et peut-être pourrons-nous refermer la brèche. Alors allons-y. C'est quoi comme resto? Genre une brasserie, je sais pas. Un restaurant un peu moderne, un peu gastro. Amener la sacrifier. Gastronomique. Pas la gastro, l'effet inverse. La brèche, j'imagine. Ah, t'es in-game. Et ça rame déjà dans le menu principal ou pas? Mais qu'est-ce que ça fait là? La magie, bah si tu veux, attends, je termine, parce que là j'ai bientôt fini en fait l'intro du jeu, donc je fais le combat final, il est pas bien long de toute manière, et je te rejoins sur LBP. Au secours, à l'aide. Au secours, à l'aide. Justine. Oh le nom. Ah c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Non, quoi non. Ardèche, tiens, dis-moi. Quoi, le repas traditionnel? Au secours! À l'aide! Mais tu as déjà dit ça, ma grande. C'était votre voix.
sa sainteté a fait appel à vous, mais... Genre, elle a choisi le premier paysan dans la rue pour... Tiens, je vais te donner des pouvoirs divins. Oh, voilà, une sacrée tête, Justinien. Que se passe-t-il ici? Allez chercher de l'aide, vite! Elle est toute ridée, la pauvre. Nous avons une intruse. Tu es là, maintenant. Non, elle peut pas, P.O. Et au pire, on se fait une pizza maison pour le nouvel an, des trucs tout pourris. L'Ardèche, c'est beau pour le rafting. Ah, il y en a un qui est déjà parti en vacances, peut-être. Ou peut-être juste pour, là, pour le plaisir. Les échos de ce qui s'est passé ici. L'immatériel s'infiltre dans cet endroit. Ou t'habites peut-être pas loin. La faille n'est pas scellée, mais elle est fermée. Au moins temporairement. Mmh. Je pense qu'avec la marque, nous devrions pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement. La réouvrir, la ouais. Risque toutefois de susciter des réactions de l'autre côté. C'est quelle bonne idée. Dit, des démons. Et du coup, tu manges quoi en Ardèche alors, Nick? Quoi comme plat? Je pense pas que ça, tu manges des burritos. Tu peux venir manger ma pizza, je pense que t'auras dû de la route à faire. Maintenant. Ces pizzas faites maison, c'est les meilleures. Mais c'est quoi? En fait, mon sort, faudrait que je regarde ce que c'est, parce que... je pense pas que ça soit... Il faut briser ses défenses. Épuisez-le. J'espère qu'il n'y a pas d'autres ennemis qui m'attaquent dans mon dos là pour l'instant, non, je pense pas. Je crois qu'ils vont tous tomber comme des bouses. Je crois qu'il faut que je bouge là. Non. Attendez. Point faible. Vous pouvez perturber les failles pour endommager les démons. Visez la faille. Ah ok, d'accord. Attendez. Ok, c'est ça qu'il fallait que je fasse. D'accord, c'est un peu de tout. Le démon est vulnérable. Maintenant. Oh, ça a pas duré longtemps, merde. C'est un peu dommage. Oula. Là. C'est quoi? Je sais pas quoi. J'ai pas trop compris mon. Ah, ou c'est peut-être faire un effet à un allié, peut-être. Hein. Il y en a d'autres qui sortent de la faille. Ah merde, c'est pas cool ça. Par contre, là, c'est pas cool du tout. Aïe, 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 aïe. Ah, comment ça, j'ai dû l'utiliser plein de fois, là. Oh, par contre, c'est pas cool, c'est pas cool. Oh, la vache. Non. Ah, elle fait quoi comme comme course hein. Enfin, course, sport, pardon. Je suis un peu fatiguée. Désolée. Ah, mais il y en a une qui est par terre. Bah, super. Ah bah attends, ça sert à rien, là, pour l'instant. Non. Hop. Puiser dans la faille. Ok. Allez, là, on déferle notre courroux. Ah, il est immunisé contre ça, merde.
Ah, il est immunisé aussi contre ça et... Vous voyez, en fait, quand, dans les petites jauges, j'ai l'impression qu'il ne reste rien. Mais finalement, si, en fait. Ça leur fait quoi, sinon ça, à eux ? Ah non, c'est pas cool ! Pas cool ! Ah ! Ah ! Ok, natation. Il est tout prêt. Oh putain, vite. Oh. Mais lâche-moi. Oh la vache. Fait mal, hein. Je vous ai dit, il est chaud quand même, hein. On fait pas la folle, hein. Par contre, comment ça se fait que ça... Non, ils sont tous morts. Au secours. Oh la tristesse. Tape l'autre mec qui est devant toi là. Ah ouais, t'es pas loin de quoi. Mais l'autre il me poursuit. Crever, hein. Oh là là, il va me tuer. J'ai pas le choix en fait. Ouais, en plus il y a des... Waouh, la vache, je vais crever. Ah, c'est un bouclier. Non. Bah non, même pas. Oh, j'ai fait que 20 dégâts à chaque fois. Oh, putain, j'ai fait crever là. Ah merde. Au secours. Non, 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 non. Oh, je suis morte. Oh la vache. Oh, ah, il m'a bien calmé là. Alors, en termes de joueur de foot, j'y connais rien. Ouh la vache. Il faudrait peut-être plus que j'attaque la faille. Épuisez-le. Le démon est vulnérable. Maintenant. Je fais pas de dégâts, hein, finalement. D'accord. Après, je regarde souvent si j'ai des la possibilité de perturber la faille. Allez, hop. Ah là là. Attendez, on va faire le tour. Il doit avoir des sacrées bagnoles, non ? Ah ouais, je lui enlève carrément plus de vie, hein. Bon, par contre, c'est un coup à ce que... des ennemis qui sortent de la faille, en fait. En fait, faut que j'aille perturber davantage la faille. Pardon. Désolé. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Aussi. Ah, je l'ai brûlé. Ah, mais parce que là, il était en position de faiblesse. Ok.
Ok, je le fais. Il est occupé par les autres. Ah non, il est immunisé contre ça. Je suis un peu con. Ce que j'ai fait, c'était un peu con. Et il reste pas grand chose là. On l'a bientôt fini. Je ferme la paille. Bah voilà, c'est tout. En fait, finalement, c'était pas si dur que ça. C'est juste que je... J'utilisais pas du tout la bug technique, en fait. Bah nickel. Voilà, combat avec le boss terminé. Le premier boss du jeu. Bon, bah sympa. Non, c'était cool de se remettre dedans, là, c'était sympa. Mick, tiens, si tu veux faire LBP, tu veux le faire hors caméra, peut-être. Mais toi, t'aurais trop moyen de streamer, Mick, en plus. Hein. Ta colle est vraiment pas dégueu. Hein. Je ne savais pas que vous étiez réveillé, je vous jure. Tu sais même pas si t'as un compte... bah si t'as un compte Twitch, je suis con, sinon tu pourrais pas commenter, je suis un peu bête. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Enfin, perso, pas. Si c'est moi qui stream, ça va ramer. Hein. J'implore, votre pardon. Ma colle est pourrie, hein. Je ne suis qu'une simple pour un jeu solo, ça va, mais pour du pour du multi, on dit que vous bah, c'est l'apocalypse. La de s'agrandir, tout comme une poule derrière. C'est un présent pour me remercier. Les gens ne parlent que de ça depuis 3 jours. Merde, du coup, j'ai pas écouté la pauvre fille. À force de jouer, moi, non, il fait froid. Moi, j'ai toujours froid. Donc, vous dites que les gens sont contents de moi? Je vous répète simplement ce que j'ai entendu. N'y voyez rien d'insidieux. Bon, apparemment, j'ai pas fait de la merde. Cassandra, elle avait dit dès qu'elle ouvre les yeux. Et elle est où? À la chanterie avec le chancelier. Oh, dès qu'elle ouvre les yeux. Oh, comment je suis habillée? C'est bizarre. Donc du coup, ça veut dire quoi, Mick? Ah ok, elle avait laissé son petit carton. Ok. Bon bah voilà, en fait, bah pour vous dire, j'avais pas continué le jeu à partir de là. Ouais, je sais pas. Tu penses? Je sais pas, moi je sens que ça va ramer à mort. Ah tiens, je vais sauvegarder. Non, pas une nouvelle sauvegarde. Oh non, la con. Ça a ramé. Je peux pas supprimer. 2h13 de jeu. Ça je supprime, du coup je sauvegarde là-dessus. Non, parce que moi je fais pas des copies... Ok, bon bah voilà, j'ai sauvegardé, donc je sais pas trop. Je sais pas trop ça. Avec il était. Tu hostes le pod. Ça va être coton, hein. Tu veux faire quoi, Mick, des niveaux de quoi? Oh, tu choisis au pire. Yes, bon bah du coup je vais changer de jeu alors. J'ai sauvegardé, ok, c'est bon. Yes, bon bah je vais couper là le stream. Bon, on va voir, on fait un test hein, pour Little Big Planet. Mais faudrait qu'on se mette en partie, Coco aussi. Tu hostes la partie? Ah bah.
Si ça marche, non, mais si tu veux. Bon, tu choisiras pour les niveaux. Bon, on verra, hein, ça dépend de la qualité de la connexion. Yes, bon, ben on va tester ça, et puis après, si c'est catastrophique, on laissera tomber. Voilà, donc je vais changer de jeu. À tout de suite. Salut, à tout de suite.